Après ce magnifique morceau, cette musique Bretagne jouait le cornet, qu'est-ce que c'était? C'est qu'il avait choisi, oui, comme je choisi. D'abord, c'est du breton, c'est une passion, une passion celtique euh, qui a été reprise dans les années 1990 par Christian Desbordes. Et l'intérêt de cette passion, c'est que l'auteur a repris des chants, des chorales datant des 15e, 16e, 17e siècle. Et donc, j'ai pensé le rapport évidemment avec Anne de Bretagne parce qu'Anne de Bretagne a sans doute entendu des chants similaires. On ne sait pas trop évidemment, c'est le problème des sources qui, qui entourent cette duchesse un peu mystérieuse, mais je pense que c'est une belle introduction. Musicale à l'imaginaire d'Anne de Bretagne, justement, cette aube de la Renaissance. Parce que de l'imaginaire, en ce qui concerne Anne de Bretagne, vous allez nous apprendre, Joël Cornette, aujourd'hui, qu'il y a en effet beaucoup, beaucoup d'imaginaire, Mais il y a de quoi Il Bien y sûr. a de quoi Car. Euh... <laughs> duchesse de Bretagne, deux fois reine de France, sacrée deux fois d'ailleurs. Oui. Vous allez nous en parler, c'est assez extraordinaire. J'oserais même dire sacrée trois fois puisqu'elle a été couronnée duchesse et puis sacrée reine de France deux fois avec ses deux maris successifs. Mmh. Charles VIII et Louis XII, donc Trois il y a vraiment un sorte en fait. d'excès de d'honneur et on pourra en parler justement pourquoi Car <laughs> le, le, le couronnement dans la cathédrale de Rennes, je crois, comme duchesse de, de Bretagne, c'est un véritable sacre. C'est presque un sac. C'est un couronnement. Euh, elle reçoit une couronne, elle reçoit les instruments du pouvoir, ce qu'on appelle les regalia, euh, le sceptre de justice, la main de justice. Euh, donc vraiment, c'est une véritable souveraine. Et, et, et je me permets d'insister, la Bretagne, c'est un État à l'époque d'Anne de Bretagne, c'est un véritable État. Souverain euh, tout à fait indépendant, c'est ce que effectivement vous aviez évoqué lors de notre première euh, émission consacrée à Anne de Bretagne. Alors, tout le monde connaît Joël Cornette, euh, le nom, ce nom d'Anne de Bretagne. Beaucoup a Beaucoup a été écrit sur elle. Il y a beaucoup d'agéographie. Il y a aussi, comme vous l'avez mentionné en parlant de l'imaginaire autour d'Anne de Bretagne, il y a beaucoup de légendes qui en font une véritable icône mais que savons-nous réellement d'elle de cette donc, duchesse de bretagne qui est la fille de françois ii qui fut le dernier duc de bretagne régnant sur un duché comme un prince en son royaume en effet durant la première émission qui avait été diffusée le jour de pâques et eh bien nous avions surtout évoqué dans cette émission l'histoire de la bretagne parce que il est difficile de comprendre ce qu'était justement la Bretagne, certes vassale, duché vassal de la France, mais d'une manière assez légère, vous nous l'aviez, vous allez bien sûr nous répréciser cela, et que le duc de Bretagne, en effet, avait tous les attributs du chef d'un État souverain. Il y avait sa propre monnaie, il y avait son armée, il y avait des ambassadeurs, il y avait aussi un parlement et, dans le sac, Alors ce n'est pas un sac, le couronnement. Vous êtes normalien, vous aimez vraiment utiliser des termes précis. Et bien, donc, ce couronnement en la cathédrale de Rennes. Alors, François II est un. Farouche a été un farouche défenseur de l'indépendance de la Bretagne contre les velléités des Francs, des rois de France, hein, qui étaient surnommés les Francs, je crois, à l'époque, en tout cas vu de Bretagne. Malheureusement, malheureusement pour les Bretons, naturellement, après la défaite de Saint-Aubin du Cormier, nous allons bien sûr l'évoquer au cours de cette émission, cette défaite de Saint-Aubin du Cormier face aux troupes royales, ça c'est en 1488, eh bien, François II, au roi, doit rendre le fameux hommage Lige, au roi de France qui va conserver après cette défaite quatre places fortes en Bretagne. Alors là encore, on a tendance à croire que Saint-Aubin-du-Cormier, cette défaite donc des troupes de François II face aux, aux troupes de Charles VIII, si je ne me trompe pas, on croit que c'est cette défaite-là qui clôt la fin de l'indépendance de la Bretagne, mais pas du tout. Pas du tout, succède à François II, qui mort peu de temps après cette défaite en septembre 1488. Eh bien, lui succède sa fille, Anne de Bretagne, qui va passer sa vie à essayer de maintenir justement cette indépendance. Alors, Anne de Bretagne va d'abord épouser, elle va être contrainte après cette défaite. Elle va tenter d'épouser par procuration d'ailleurs euh, un prince Habsbourg. Maximilien, oui, Maximilien, absolument. Maximilien. Oui. Et à la grande colère d'ailleurs de Charles VIII, et à ce Bien qui sûr. provoquera ce mariage, elle sera contrainte d'épouser Charles VIII le 6 décembre 491. Puis après la mort de Charles VIII, Louis XII, Louis XII qui pourtant avait s'était battu aux côtés des troupes de François II. Oui, absolument. À Saint Aubin du oui. Cormier, Louis II, oui. Louis d'Orléans, qui va, il va le payer d'ailleurs de, plus de, de plusieurs années de prison. Absolument. Eh bien, euh, Anne de Bretagne épousera euh, Louis XII après la mort de, de Charles louis ce qui voudra de, de devenir une deuxième fois d'être là pour le coup sacrée une deuxième fois euh, reine de Bretagne. Et pendant tous ces règnes, eh bien, Anne de Bretagne réussira donc à maintenir l'indépendance de son duché et c'est sa fille Claude, sa fille Claude qui bafouera la volonté de sa mère en faisant don au fil des traités, au fil des testaments, je crois d'ailleurs vous nous le préciserez, à épouser François Ier en lui apportant, en lui faisant don de la Bretagne qui sera finalement annexée seulement en 1500. 32, donc c'est presque 50 ans après cette défaite de Saint-Aubin euh, du Cormier. Alors, bien sûr, on peut dire que le mariage de Claude avec François, le futur François Ier, est la conséquence indirecte de cette bataille. Mais néanmoins, durant toutes ces années, la Bretagne restera indépendante alors aujourd'hui pour cette deuxième émission que nous consacrons donc à anne de bretagne la première donc était en plus euh, concentrée sur la situation la compréhension de ce que c'était réellement le duché de bretagne là nous allons vraiment nous attacher à la personne à l'histoire d'anne de bretagne en insistant plus particulièrement sur des éléments clés de sa vie, des éléments clés de, de son règne, bien sûr euh, la mort de, de Charles VIII et puis euh, le mariage avec Louis XII. Dans les deux cas, des traités particuliers euh, qui concernent l'avenir de la Bretagne, nous attacherons bien sûr à ça. Personnalité, qui était réellement Anne de Bretagne, ce qu'elle a apporté de particulier, notamment à la cour de France. Elle avait une cour, une fameuse cour des dames, Elle, avait, des dames, pardon, elle a exercé un mécénat très actif, elle avait un, un grand goût pour les livres et pour l'histoire, tout cela. Nous en, en, en parler nous parlerons de, bien sûr ce qui était une nouveauté pour l'époque de ces deux sacres à Saint-Denis. Nous parlons de ces funérailles qui ont été des funérailles extraordinaires. Louis XII, et Anne de Bretagne ont formé un couple très uni. Et cela, bien sûr, s'est traduit par ces funérailles à Saint-Denis qui sont exceptionnelles. Et nous parlons, bien entendu, du mythe, Anne de Bretagne, du mythe de la duchesse en sabot. Elle n'a jamais été chaussée de sabot, mais il y a quand même ce mythe et cette légende de la duchesse en sabot. Et nous verrons avec Joël Cornette que nous recevons maintenant, nous verrons comment ce mythe, cette légende n'arrête pas. De rebondir en Bretagne avec la révolte du marquis de Pontcallec, avec ce qui est inscrit dans les manuels bretons des années 20, avec l'attentat à Rennes en 1932. Son musée, son monument a été explosé. Et puis le retour en de Bretagne lors de la révolte de, des Bonnets Rouges en 2013. 2013 pardon. Et le vol de son cœur en, en 2007 fort heureusement. On a retrouvé dans des circonstances d'ailleurs vraiment... Oui, un peu particulières. Particulières, assez, oui. assez extraordinaires. Eh bien, chers auditeurs de Radio Courtoisie, un livre passionnant restitue parfaitement l'histoire d'Inde de Bretagne, les enjeux de cette époque, cette lutte pour la Bretagne indépendance. Et surtout, il nous propose ce livre, un très beau portrait de femme qui fut réellement... Une très grande reine et une grande duchesse de Bretagne. Il s'agit tout simplement d'Anne de Bretagne, qui est publiée par Joël Cornette aux éditions Gallimard. Joël Cornette, bonsoir. Eh bien, bonsoir et merci de me recevoir de nouveau. Pardonnez-moi de, de <laughs> cette longue introduction. Non, mais non, je mais. Je pense mais... était nécessaire pour en résumer. En tout cas, on a vu que c'est une véritable saga, que, que l'histoire d'Anne de Bretagne. C'est un vrai, un vrai roman, finalement. Et, et votre livre. Euh... Vraiment, nous explique, raconte cette saga d'une manière passionnante et extraordinaire. J'encourage en vraiment les auditeurs de Radio Courtoisie qui s'intéressent à la Bretagne ou et à Anne de Bretagne à euh, le lire. Joël Cornette, je vous propose que nous commencions par le, le, le commencement. C'est tout simplement la naissance d'Inde de Bretagne, elle naît naturellement à Nantes. Oui, voilà, un jour d'hiver de février 1477 au château de Nantes. Et ce château de Nantes est, je dirais, en pleine reconstruction, restructuration, puisque François II, vous l'avez dit, lutte contre le roi de France, qui est de plus en plus hégémonique. Le roi de France, c'est Louis XI. Et Louis XI, vous le savez, a laissé une mémoire, c'est l'universel à règne. Euh, ce roi qui veut évidemment construire un état fort, un état territorial. Je rappelle que c'est l'époque où la suzeraineté devient souveraineté et où se construisent un peu partout en Europe les États, les États territoriaux. Et donc la Bretagne est en plein dans cette histoire et la Bretagne aussi veut jouer ce jeu des États territoriaux. On l'avait vu je crois en détail euh, lors de notre dernière rencontre. Mais voilà, l'enfance d'Anne de Bretagne c'est une enfance je dirais... Euh, euh, en, en pleine guerre, comment dire, larvée entre la France et, et l'État breton. Et donc toute son enfance, elle a vécu une atmosphère de complot, une atmosphère euh, comment dire politiquement difficile, puisque vous l'avez dit, le futur Louis XII est euh, en fait contre contre Louis XI, et il participe euh, à ce qu'on appelle la ligue du bien public, c'est-à-dire une ligue de seigneurs euh, qui s'oppose au pouvoir de Louis XI et qui ensuite vont continuer à s'opposer d'ailleurs au pouvoir de la régente Anne de Beaujeu, qui va poursuivre la politique de son père Louis XI, c'est-à-dire une politique euh, Contre l'État breton pour essayer et réussir finalement à l'abattre complètement. La, la, la crainte de, de Louis XI et la crainte d'Anne de Beaujeu, oui. la régente, vous l'expliquez le, dans votre livre, c'est que le, le, le mariage d'Anne de Bretagne apporte le duché à une maison étrangère. Oui, absolument. Anne est l'enjeu. Euh, en fait, une de... des options, évidemment, euh, de, de François II et aussi de ce qui entoure Anne dès qu'elle est duchesse, car je le rappelle, et vous l'avez dit d'ailleurs dans la présentation, euh, dans le travelling chronologique que vous avez suggéré, eh bien, euh, François II meurt, je dirais presque de tristesse après cette défaite terrible de Saint-Aubin du Cormier. C'est en fait sur le champ de bataille que la Bretagne, d'une façon d'une certaine façon, s'éteint en tant qu'État vraiment indépendant. La bataille de Saint-Aubin-du-Cormier dans l'été de 1488, c'est une défaite très très grande. Et en fait, le rapport de force est un rapport presque de 1 à 10. Il faut savoir que la France est un État très puissant par rapport à la Bretagne. Il y a 10 fois plus d'abord de population, 10 fois plus de rentrées financières. L'armée, c'est une armée extrêmement moderne. Euh, c'est le début des canons, c'est le début des couleuvrines. Et, et justement, les premiers canons ont été utilisés euh, lors de cette bataille de Saint-Aubin-du-Cormier. Et il y a eu beaucoup de défaites d'ailleurs du côté de l'armée bretonne. Donc vraiment, ça a été euh, tout à fait catastrophique. Alors, cette bataille, ce, cette nouvelle guerre entre euh, donc, le roi de France, Alors, là c'est la régente, c'est Anne de Beaujeu qui, oui, qui dirige la absolument. France, et puis donc, euh, François II et ses troupes à Saint-Aubin, elle est provoquée par euh, c est, c est, euh, ce projet. D'alliance entre euh, la Bretagne et donc Maximilien, c'est ça Maximilien. Oui et l'Autriche. C'est ça, ça qui déclenche le conflit. Le, 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 voilà, la Bretagne a toujours joué un jeu de bascule, disons, entre la France et l'Angleterre notamment, mais aussi tous les États qui entourent euh, le, le royaume de France pour essayer d'avoir des contre-alliances qui permettent évidemment euh, de, de contrebalancer sa faiblesse intrinsèque et donc de, de, de voilà d'unir de, de, des États euh, afin que la France ait plusieurs fronts finalement euh, à, à mener. Sur le mais, plan mais là, c'est de le, de le projet de mariage hein, officiel entre Anne oui. et Maximilien. Et, et ce mariage, même, presque a eu lieu par procuration. Euh, nous, nous sommes en 1500, 1489, et alors que le père d'Anne de Bretagne est mort... Euh, depuis l'année précédente, en 88, une des options, ça a été justement de marier la jeune duchesse, elle a 11 ans, 12 ans, avec Maximilien, euh, qui est le roi des Romains, euh, futur empereur du Saint Empire romain germanique, justement pour cette alliance de revers. Alors le mariage a eu lieu de façon euh, presque, comment dire, virtuelle, si je puis dire, puisque Maximilien ne s'est pas rendu à, à Rennes, mais par contre, il a envoyé euh, des représentants un prince en particulier euh, qui alors c'est une, une coutume très étonnante une coutume peut-être allemande ça s'est passé dans la chambre d'anne de bretagne anne de bretagne était allongée le prince de polham le, re, le représentant de maximilien s'est allongé près d'anne de bretagne avec sa jambe nue et a Coller sa jambe nue contre la jambe d'Anne de Bretagne. Oui, c'est presque. Qui a 11 ans, précisons-le. A... <laughs> voilà. Et c'est presque, je dirais, un acte sexuel symbolique, si vous voulez, mais qui, en quelque sorte, authentifie le mariage. Et il est vrai que, à partir de ce mariage victuel, virtuel, on a des actes d'Anne de Bretagne où elle signe Reine des Romains. C'est-à-dire que les, les duchesses de Bretagne règnent des Romains. Euh, vous voyez, ont tout à fait étonnant. C'est vraiment un, une première alliance, en quelque sorte. Alors, Anne de Bretagne, et surtout ceux qui l'entouraient, parce qu'elle a 11-12 ans, donc il ne faut pas imaginer qu'elle règne, je dirais personnellement, comme Louis XIV aurait dit, l'État c'est moi. Non, l'État breton, c'est pas elle. elle. Elle a un conseil autour d'elle. Elle a notamment un chancelier très fidèle, euh, Philippe de Montauban, euh, des conseillers. Et donc, ces conseillers ont espéré que Maximilien apporte des troupes, c'était ça aussi l'enjeu. Des troupes de l'argent aider en quelque sorte euh, l'état breton à lutter contre le roi de France. Mais les troupes ne sont jamais arrivées, l'argent non plus et donc euh, disons le, le mariage euh, est tombé en quenouille et, en quelque et, sorte. Et donc, euh, et donc la, la solution ça a été le mariage forcé avec Charles VIII nous, le roi de France. Nous, nous allons bien entendu en, en parler mais nous revenons quelques instants si vous voulez bien jouer le cornet sur cette fameuse bataille de Saint-Aubin du Cormier, Saint-Thomas du Cormier, ça se trouve entre Rennes et Fougères à oui, peu près. Oui. Mais néanmoins, vous, vous parlez de cette bataille qui n'était pas perdue d'avance parce que les forces en présence étaient assez équilibrées. Il y avait du côté des Bretons, il y avait, il y avait beaucoup de Français, dont oui. Louis d'Orléans d'ailleurs. Oui, et puis il y Tout avait fait. des Anglais aussi, oui, absolument. Il y a un fort Quel, contingent Z, anglais. absolument. Peut-être aussi des Espagnols. Euh, donc c'est toujours ces aides extérieures en quelque sorte. Mais il y a eu des défections, il y a, il y a eu aussi sans doute des querelles de commandement. Alors là, les sources sont, disons, on n'a pas énormément de sources, vous avez évoqué d'ailleurs la difficulté d'écrire cette biographie, euh, les sources sont assez rares, mais on peut imaginer qu'il y a eu des querelles de commandement euh, dans les armées bretonnes et donc des, des divisions, des oppositions et donc l'unité ne s'est pas faite et c'est en grand contraste avec l'armée française qui elle était très solide, bien commandée, bien dirigée et je le rappelais. Euh, par la puissance des canons, des couleuvrines, il y a eu tout de même une force plus grande. Euh, tec technique, en quelque sorte. C'est le début de la révolution militaire. Hein. Après tout, la bataille de Saint-Thomas-du-Cormier, c'est presque la répétition générale de ce qui sera ensuite les armées des guerres d'Italie, mmh. puisque les guerres d'Italie commencent quelques années plus tard, en 1494. D'ailleurs, Anne de Bretagne, par la médiation de son euh, mari Charles VIII, y participe, d'une certaine manière. Donc voilà, euh, Saint-Thomas-du-Cormier s'inscrit justement dans cette histoire de la guerre, qui est d'ailleurs tout à fait intéressante, mais qui est marquée par quand même un déséquilibre technique, si vous voulez, entre les armées françaises et les armées bretonnes. Néanmoins, cette bataille 1488, ce n'est pas la fin de la Bretagne. La, la Bretagne n'est pas occupée euh, et, militairement totalement, et, et en et tout cas, communs... parce que Rennes est imprenable. Oui, par Oui, Rennes résiste, mais, mais Rennes, c'est presque une exception. Il euh, y a d'ailleurs un, un auteur qui dit que la Bretagne est toute... Euh, Presque contrôlé par les troupes, il ne reste plus que, que Rennes et, et, et la dame qui est dedans. Et la dame qui est dedans, Rennes, c'est Anne de Bretagne. Donc ah, on arrive à un moment mmh. où Rennes est pratiquement une île, si vous voulez, dans un oui. océan de troupes qui sont euh, opposées à l'État breton. Mmh. D'autant qu'il y a des princes bretons qui sont, je dirais, presque du côté de la France. Je pense au prince de Rouen en particulier, mmh. qui est tout à fait dissident, qui contrôle une grande partie de l'ouest de la Bretagne. Et, et le, le, le prince de Rouen, euh, étant fait contre Anne de Bretagne. Euh, donc vous voyez, il y a à la fois les troupes françaises qui contrôlent une grande partie des places fortes et aussi des princes dissidents qui ont vu euh, disons dans leur alliance avec le roi de France, plus d'intérêt pour eux que de rester fidèle finalement euh, à cette Bretagne qui s'effiloche, à cet État breton qui qui est en train de, de se décomposer d'une certaine manière. En plus, des... que... en plus il y a des révoltes. Hein. En, en 1488-89, la situation sociale, on ne parle pas assez du... Du breton ordinaire, si vous voulez. Euh, des paysans en majorité, 90% de la population sont des paysans, et des paysans qui supportent par les impôts le poids de la guerre. Il euh, y a un impôt très fort en Bretagne qui est le fouage, ce euh, qui est l'équivalent de la taille, si vous voulez, euh, par rapport à, à, à l'État français. Et le fouage est extrêmement euh, fort, vigoureux, euh, et pèse sur euh, le, on dirait aujourd'hui le tiers-État, euh, c'est-à-dire euh, non pas la noblesse ni le clergé, mais... Euh, des populations, des, des champs notamment. Et donc il y a un mécontentement très fort, il y a des révoltes, hein. par exemple autour de Carré, il y a, il y a une révolte d'un un, un chef paysan qu'on appelle Jean l'Ancien, et, et cette révolte est extrêmement importante, il y, a, il y a vraiment eu des insurrections paysannes, si vous voulez. Euh, voilà, donc oui, la situation est absolument dramatique. Donc Anne de Bretagne, à Rennes, bien sûr, alors Rennes reste fidèle à Anne de Bretagne, Nantes est en dissidence, son tuteur qui est le maréchal de Rieux, Va me tromper. C'est-à-dire que a fait de Nantes une ville pratiquement indépendante et, et qui est plus ou moins proche du roi de France. Et, et finalement, d'ailleurs, Nantes va se donner au roi de France qui, qui rentre dans Nantes. Et, et, et bon, Anne de Bretagne, la seule solution, encore une fois, c'est le mariage imposé avec le roi de France, Charles la, VIII. Ces factions, Joël Cornet, qui euh, agitent la Bretagne, cette forme de guerre civile un peu larvée, c'est l'héritage de la guerre de succession au XIVe siècle. Où, On oui, retrouve les mêmes clans en, en, en guerre de succession oui, de Bretagne. Oui, hein. Non, c'est la de, de la guerre de succession. C'est un siècle avant. Hein, c'est mmh. dans les années 1300, très, très, 1340, oui. 1360. Mmh. Donc ensuite les Montfort euh, se sont devenus ducs. Et donc là, c'est quand même, le, je dirais, l'âge d'or du duché. Hein. Donc il euh, y a eu quand même une période de prospérité tout à fait importante. On pourra y revenir au, au 15e siècle et, et qui va d'ailleurs se poursuivre parce que il, il ne faut pas, disons, schématiser et imaginer que la Bretagne perd euh, tout. Euh, avec cette annexion forcée. La, la Bretagne reste... Euh économiquement extrêmement vigoureuse, je pense au commerce, commerce maritime en particulier. Et la preuve, c'est les enclos bretons. Si vous allez en Bretagne cet été, euh, je pense que vous pourrez tout à fait euh, visiter les enclos de L Guimillot, de, euh, aller à Locronan par exemple. C'est-à-dire que vous avez des marques de vraiment de, de richesse euh, qui était la richesse du XVIe siècle, et cette richesse s'est convertie en monument euh, à la gloire de Dieu euh, dans pour cette population très dévote, hein, qui est la population bretonne. Et donc vous avez là inscrite dans la pierre, en quelque sorte, les bénéfices de l'économie bretonne, extrêmement riche. Euh, les bretons étaient les rouliers des mers. Et ça, ça continue au XVe, XVIe, XVIIe siècle, pratiquement jusqu'au règne de Louis XIV. Donc vous voyez, il y a à la fois une dévitalisation politique de la Bretagne, euh, provoquée évidemment par la défaite de Saint-Thomas du Cormier, mais tout de même le maintien d'une certaine prospérité économique. Voilà, je crois. Et, et, je... et je, je renvoie les auditeurs de Radio Courtoisie. Euh, qui souhaiterait en savoir euh, plus euh, sur toutes ces périodes, aux livres que vous avez écrits, qui sont très nombreux. Et je me rends compte que j'ai complètement oublié de vous présenter. Et <laughs> c'est affreux. Nous, pas nous sommes problème. partis <laughs> en tête <laughs> sur l'histoire de la noblesse. Je suis vraiment euh, très, 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 très confus. Et, et je rappelle, aux oh, dire de la ah, courtoisie, es... que je vais faire quand même bon, moins en détail que je, je, je l'aurais fait au début. Mais je, je rappelle que nous avons le grand plaisir, Joël Cornette, un plaisir renouvelé. Euh, vous, avez, vous Nous vous recevons tout d'abord pour Anne-de-Bretagne chez Gallimard. la deuxième émission que nous consacrons à cette grande duchesse, à cette grande reine de France. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes normalien, vous êtes agrégé, docteur en histoire, vous êtes professeur émérite des universités, que vous avez aussi été, que vous êtes, pardon, directeur de collection, notamment aux éditions Belin, la fameuse collection des mondes anciens. C'est une collection magnifique que vous dirigez, euh, à la fois euh, érudite mais accessible, intéressante. Parce que Ça se lit de manière très aisée avec de superbes illustrations, c'est extrêmement euh, pédagogique. Vous avez aussi euh, dirigé la collection consacrée à l'histoire de France en 13 volumes. Ça c'est aussi euh, la collection euh, Gallimard Folio. Vous avez aussi, vous dirigez la collection Référence. Euh, ça, la collection euh, Référence, c'est... Euh, quelle maison d'édition C'est Belin. C'est toujours Belin. Voilà, c'est un, un peu la même forme euh, que l'histoire de France. Et chez Belin. Belin. Les anciens. Vous avez eu de, de nombreux prix pour tous ces livres que vous avez écrits. Je citerai en 2015 le prix Trisquel-Avreau, c'est le pays, la Bretagne, en breton, naturellement, pour l'histoire illustrée de la Bretagne et des Bretons publié au seuil en 2015. Vous avez eu en 2021... Donc pour cette Anne de Bretagne, le trophée de la biographie Gonzac Saint-Brie. Vous avez aussi encore eu d'autres euh, nombreux prix. Je, je rappellerai euh, le, le, aussi le livre que vous avez écrit tout récemment, le roi absolu Chatalandier, pour lequel nous avons fait une émission et, et, et nous, en faisons, nous avons prévu une deuxième émission bientôt, tel, tellement votre ouvrage est riche. Nous avions reçu aussi pour la Bretagne une aventure mondiale, je crois que c'est la première émission que nous avions eu le plaisir de faire avec vous, ça c'est chez Talandier en euh, 2018. Et vous avez publié, publié aussi un ouvrage qui est un ouvrage formidable, qui est l'histoire de la Bretagne pour les nuls. Et ça, ce sont des émissions à venir. Je mentionne aussi parce que vous êtes un grand spécialiste de l'histoire de la Bretagne, mais aussi du Grand Siècle de Louis XIV. Vous avez beaucoup écrit aussi sur Louis XIV. Mmh. Vous êtes d'ailleurs membre du, euh, du jury du Grand Prix du Grand Prix de Versailles. Versailles C'est ça Oui, absolument. Et euh, aussi un spécialiste de Vauban, puisque vous avez euh, publié aussi concernant euh, Vauban un, un ouvrage aussi remarquable qui s'appelle Les oisivetés de Monsieur de Vauban. C'est la première édition intégrale de tous les écrits hein, de Vauban. Et ça, euh, c'est chez Chamballon. Oui, c'est Michel Virol qui a dirigé le volume. J'ai parti, les... participé euh, à, à ce volume. Chamballon du Michel, nous avons fait aussi deux émissions. Oui. Euh, sur ce sur ce sujet sur vos bancs et sur euh, ses écrits voilà, je repars ainsi euh, l'impair que je, je viens de faire et je reviens si vous voulez bien euh, à cette défaite de Saint Aubin de Cormier qui va en effet provoquer le mariage entre Anne de Bretagne et euh, Charles IX, Charles VIII pardon, cruc. oui Charles VIII. Euh, Charles VIII. Néanmoins, cette défaite, ce n'est pas la fin de l'indépendance de Bretagne. Non. La Bretagne n'est pas pour autant annexée, vous avez précisé. La Bretagne continue à vivre, mmh. à se développer. Euh, mais néanmoins, cette bataille fait l'objet, cette défaite fait l'objet d'un traité. Alors, c'est vrai que oui, c'est le traité euh, du Verger. Et, et donc, je, je, pourriez-vous évoqué pour les auditeurs de Radio Courtoisie le contenu de ce traité. Dans ce traité, je pense qu'il y a le mariage entre euh, Charles VIII et Anne. Pas, pas vraiment. Le, le, trai le traité euh, fait que, disons, Anne perd tous, tous ses pouvoirs, le, le duc perd tous ses pouvoirs, si vous voulez. C'est-à-dire que la Bretagne est sous tutelle de la France. C'est désormais le roi de France ce qui... qui comment s'exprime, pardonnez-moi, dans le traité tutelle. Bah, cette tutelle Cette tutelle, c'est que... Euh, bah, toute décision politique appartient maintenant à, à, à la France. Et, et donc, euh, le duc se trouve dépossédé de, de toute autorité. Euh, et, et donc, ça, ça va provoquer chez, chez François II à la fois une tristesse, un désespoir et, et pratiquement la mort, hein, puisque, avec ce traité, évidemment, c'est une dévitalisation politique de la Bretagne qui, 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 qui a lieu. Parce que vous, vous écrivez, Joël Cornette, euh, oui. euh, euh... Dans le chapitre consacré à la, à la défaite de Saint-Aubin du courmier et à ses conséquences, il écrivait que donc il y a un traité, et François II doit rendre le fameux hommage Lige. Absolument, et l'hommage Lige, c'est se mettre à genoux devant le roi et, et, et manifester sa tutelle, euh, sa dépendance totale euh, par rapport au suzerain qui est le roi. C'est une sorte de, de serment féodal, si vous voulez. Et c'est vrai que tout au long de l'histoire, euh, il y a à la fois, je dirais, la vérité de la Bretagne et la vérité de la France. Et la vérité de la France, c'est de dire, la Bretagne n'a jamais été indépendante, la Bretagne est un fief qui appartient euh, à la France. Euh, je je n'aime pas les comparaisons, mais ce qui se passe en Ukraine et en Russie nous aide peut-être à comprendre ce, cela. C'est-à-dire que, alors, il ne s'agit pas d'ailleurs que l'Ukraine, c'est la Bretagne et la Russie, c'est l'État français, mais tout de même, il y a un, un super dominant. Qui se prend à la limite pour un empereur. Hein. Le roi est empereur en son royaume. C'est après tout la philosophie politique de l'État français, euh, autant au, au des, des rois qui, qui de fait sont absolus. Euh, mais du côté de la Bretagne, euh, on revendique justement l'indépendance. Et, et les Montfort ont, ont tout fait justement pour que cette indépendance soit une indépendance de fait. Et vous avez rappelé dans l'introduction que la Bretagne dispose de tous les attributs qui sont ceux d'un État souverain, à commencer par le couronnement, la monnaie, un, une cour, euh, une armée, une diplomatie. Euh, il y a des ambassadeurs à Rome, des traités sont signés. Donc voilà. Donc il y a deux vérités, si vous voulez. Joël Cornet, ce, ce traité, cet hommage lige, oui. c'est ça qui fait que euh, la Bretagne abandonne sa monnaie, abandonne son armée, non. abandonne... Elle, elle, concrètement, elle garde... concrètement, ce traité, que, que dit-il Et en quoi euh, qualifie-t-il la perte de l'indépendance Il n'y bah, a plus de pouvoir politique autonome, si vous voulez. C'est-à-dire que, Et puis, il y a un état de fait, les troupes sont sont là. Vous avez évoqué 4 places fortes, mais les troupes sont beaucoup plus étendues euh, sur le territoire de la Bretagne, si vous voulez. Donc, il euh, n'y a, a plus de possibilités. Euh, euh, voilà, c'est une, une armée d'occupation, pour employer un terme. Vous voyez, donc, euh, je veux dire, la, la Bretagne est vraiment dévitalisée. Alors, là-dessus, c'est dans, dans cette dévitalisation que Anne de Bretagne devient duchesse. C'est ça le paradoxe. Et, et donc, dans son entourage, on va tout faire pour essayer de maintenir justement le, le duché euh, dans un état, euh, je dirais, de presque indépendance. Euh, mais là encore, le rapport de force est complètement inégal. C'est pour ça que l'option, il y a plusieurs options. On a voulu augmenter les impôts, on a voulu euh, euh, ren renforcer les, les fidélités, mais ça a été très difficile. Euh, on a essayé de, de s'allier avec Maximilien, mais toutes ces options sont tombées à l'eau d'une certaine façon. Et donc le résultat, ça a été la pression euh, tellement forte de l'armée française et du roi de France, qui d'ailleurs est aux portes de Rennes. Et d'ailleurs, on a envoyé comme ambassadeur auprès d'Anne, euh, comme vous savez, le futur Louis XII, qui a été libéré de sa prison par Charles VIII. Et Charles VIII lui a dit, eh bien maintenant, qu'est-ce que tu vas faire, mon cousin Tu vas aller voir Anne et tu vas lui proposer euh, le mariage ce qu'a fait le futur Louis XII euh, et donc il y a cette rencontre étonnante entre le, euh, Louis, Louis, le futur Louis XII et la jeune Anne alors certains commentateurs ont dit il y a eu entre eux une sorte de flash extraordinaire déjà un amour naissant c'est évidemment tout à fait exagéré elle a 11 ans, lui en a beaucoup plus donc on ne peut pas imaginer que déjà entre eux euh, une histoire sentimentale ait, ait pu naître ce, le, ce, ce mariage fait aussi l'objet j'imagine d'un accord particulier Comment la, la, la Bretagne va être gouvernée, va être dirigée à la suite de ce mariage? Donc, bien sûr, Anne n'a pas le choix. Elle, elle n'a pas le choix, elle, elle épouse en, Charles en VIII. Plus, en plus, il y a une sorte de je dirais symbolique des lieux le mariage n'a pas lieu en Bretagne, il a lieu à Langer. Euh, donc vous voyez, d'une certaine façon, il, il a lieu en terre française ce qui est une manière de montrer la tutelle totale de la France sur, euh, sur, sur l'État breton et sur le duché. Et dans le contrat de mariage, eh bien Anne perd tous ses pouvoirs, et notamment son pouvoir de duchesse, c'est-à-dire qu'elle n'a même plus le droit de signer le moindre, le moindre texte avec le titre de duchesse de Bretagne. Il n'y a, a, a plus de duchesse, si vous voulez. Il y a un roi de France qui, qui dirige la Bretagne, et d'ailleurs on assiste dans ces années-là, c'est-à-dire entre 1491 et 1498, la mort de Charles VIII, le règne finalement n'a pas été très long, euh, à une débretonisation de l'administration bretonne. Alors, là encore problème de source, mais nous disposons heureusement de thèses euh, et de thèses extrêmement intéressantes de ce point de vue, et je pense notamment à la thèse de Dominique Lepage, qui est consacrée à la Chambre des Comptes de Bretagne, et qui donc a étudié à partir du révélateur financier cette débretonisation de l'administration financière de la bretagne or c'est important puisque les finances et les impôts et les impôts c'est évidemment le, la clé d'un état or on assiste vraiment à une dépossession euh, de tous les postes euh, occupés par des bretons qui sont remplacés par des français si vous voulez, il y a une francisation euh, du duché comme on assiste aujourd'hui à une russification d'une partie de l'Ukraine. Je me permets encore cette mmh. comparaison, mais c'est l'actualité qui m'y qui, 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 qui conduit. Hein. Et, et donc voilà, la, la Bretagne est en voie de francisation. Et, et d'où l'intérêt justement du deuxième mariage d'Anne de Bretagne avec Louis XII, car là, les choses vont s'inverser. Ah, nous allons, on euh, pourra en euh, reparler. Ouais, euh, nous nous avons bien euh, sûr évoquer euh, ce débat. Voilà, et euh, ce qui prouve que la débretonisation dé n'a pas été totale, n'a euh. pas été menée à son terme, et que jusqu'à son dernier souffle, Anne de Bretagne a essayé justement de, de renverser la, de... la vapeur, si je puis dire, et, et, et de faire que le duché euh, puisse conserver son indépendance. Mais comment est gouvernée la Bretagne euh, à, à partir du moment où Anne de Bretagne épouse euh, Charles VIII bah, Je pense qu'elle est gouvernée elle est gouvernée de, de de la France, enfin si je peux dire. Elle est... Il y a un gouverneur. Il y a est... bah, il y a toujours les troupes d'occupation. Euh, il y a, il y a des seigneurs locaux. Euh, voilà. C est, c est, c est... Mais encore une fois. Euh... Nous disposons de peu de sources, vous voyez, c'est pour ça que je suis un peu gêné de vous répondre mmh. aussi, je dirais clairement que je pourrais le faire, par exemple, en temps de Louis XIV on n'a pas, si vous voulez, assez de traces écrites qui permettraient euh, de voilà d'attester de, de, du fonctionnement réel des institutions. Voilà. Je vous propose que vous nous parliez à cette étape de l'histoire de Bretagne, de sa personnalité qui est qui, qui est-elle Est-ce qu'elle a écrit Est-ce qu'il y a des lettres de avons oui, de, oui, de, de euh, cette période C'est-elle -ce euh, oui. exprimée Parce que lorsqu'elle elle vit à plessis les tours c'est ce que vous nous expliquez. Oui. Euh, quel est son sentiment que, quel, oui, Comment vit-elle vit cela Pense-t-elle à la Bretagne N En est-elle triste Voilà, c'était exprimée là-dessus. Nous vous écoutons à la fois. Sa personnalité. Voilà, et puis vous, euh, vous, vous avez raison d'insister sur les sources. C'est un, un grand problème justement. Quand on aborde Anne de Bretagne, c'est la ténuité des sources directes sur elle. Elle n'a pas laissé de mémoire, elle n'a pas laissé de testament. Peut-être que son testament a été détruit d'ailleurs, puisque dans son testament, il y avait sûrement une partie de ses volontés, et sa volonté, c'était le mariage notamment de sa fille avec un souverain étranger afin d'assurer justement la de la Bretagne. Mais par contre, vient de paraître, et je voudrais en parler, je vais vous en dire quelques mots, un livre tout à fait intéressant euh, qui est euh, piloté par Michel Nassier qui vient de publier, et ça vient de paraître aux presses universitaires de Rennes, La correspondance d'Anne de Bretagne. Et c'est un livre tout à fait intéressant, puisque pour la première fois, on a un recueil, un recueil important, euh, des, des lettres euh, signées par Anne de Bretagne. Alors vous me direz combien de lettres Alors, chose étonnante, il n'y en a pas énormément. Euh, elle, elle, elle n'a que 11 ans et demi. Alors ça c'est aussi tout à fait intéressant et très émouvant. À 11 ans et demi, elle trace sa signature sur plusieurs lettres en 1488 et elle n'a que 13 ans quand elle écrit quatre lignes de sa main au bas d'une lettre à l'ambassadeur des rois de Castille et d'Aragon. Et ces lettres sont en général courtes et songez que en tout on ne dispose que de 15 lettres quand elle a été duchesse. Donc, vous voyez, entre 1488 et 1491, 15 lettres, voilà, c'est quand même très peu, et qui sont souvent des lettres, je dirais, d'ordre administratif. Elles ne se révèlent pas. C'est difficile de trouver, de dessiner un portrait, si vous voulez, à partir de lettres de décision, je dirais administrative ou politique. On a par contre 115 lettres quand elle fut duchesse et reine entre 1491 et 1514. Et je voudrais insister, et Michel Nassier d'ailleurs insiste sur ce point, on a quand même une lettre tout à fait exceptionnelle euh, qui est une lettre écrite le 22 mai 1489. Elle a 12 ans, et cette lettre est envoyée au grand maître d'Angleterre. C'est une lettre longue de 3700 mots. Et alors cette lettre est étonnante parce que voilà une autre option de mariage. François II, son père, a pensé à la marier au sire d'Albret. Le sire d'Albret, c'est un monsieur qui a 42-43 ans, qui n'est pas très beau, qui a, qui a beaucoup d'enfants, plusieurs maîtresses, enfin voilà. Et, Anne, et en plus, paraît-il, il est très laid. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que l'une des premières lettres d'Anne de Bretagne, elle a 12 ans, et eh bien, elle refuse. Et dans cette lettre, elle explique son refus de se marier avec euh, le sire d'Albret. Et, et l'argument qu'elle donne, c'est le fait, euh, dit-elle, elle est impubère, donc elle est trop jeune pour se marier, et donc non, je ne me marierai pas. Alors on peut penser, dit Michel Nassé, qu'il y a eu là un dialogue avec son confesseur et que son confesseur lui a donné cet argument euh, presque, je dirais, naturel. Je ne peux pas me marier à, à, à 12 ans. Et je refuse ce mariage. Et, et c'est étonnant parce que c'est un véritable coup d'État finalement. Voilà une jeune duchesse qui prend en quelque sorte son destin en main et qui dit non, ce mariage, je n'en veux pas. Donc vous voyez, c'est déjà peut-être un trait de caractère de d'Anne de Bretagne. On dit souvent que les bretons sont têtus. Alors, je ne voudrais pas rentrer dans elle ce... Elle n'était qu'à 25% bretonne, d'ailleurs. Oui, oui. Ce oui, que mais vous mais expliquez du fait des mariages, hein, naturellement. Tout elle tout cas, ne parlait pas breton, d'ailleurs. En... Non, elle ne parlait pas breton, sans... <laughs> sûrement. Euh, mais en tout cas, là, elle manifeste déjà, je <laughs> dirais, une véritable autorité, une véritable donc, vous voyez, personnalité intéressante. Mmh. Oui, le révélateur mmh. des, des, de ces lettres. Alors, sur ce corpus euh, d'une centaine de lettres, il n'y a que dix lettres autographes. Vous voyez, cest la plupart des lettres sont écrites par des secrets. Alors, on a sa signature, si vous voulez, mais quelquefois la signature c'est aussi imité par un, un secrétaire. Donc, vous voyez, c'est délicat. C'est-à-dire que même quand on a les lettres d'Anne de Bretagne, il est difficile de dresser euh, un portrait euh, absolument euh, fidèle euh, de, de ce qu'elle fut. Et, et d'ailleurs, Michel Nassé parle, dit de ces lettres qu'il a retrouvées, ce sont des vestiges, une part très réduite de sa correspondance réelle. Alors, sa correspondance réelle, ça. C'est assez étonnant. Il est certain qu'il y a des milliers de lettres d'Anne de Bretagne, mais qui ont été perdues. Et donc, c'est un véritable gouvernement par l'écriture. Là aussi, c'est très important. C'est-à-dire que l'écriture sert de médiation, de moyen de gouvernement, et c'est logique finalement. Et donc, ces lettres qu'elle envoie par paquet, comme dit. Comme dit par exemple Brantôme, sont, euh, je crois, un signe justement du fait qu'elle qu a été souveraine, euh, en grande partie souveraine, et notamment au, au temps de Louis XII. Alors, ces lettres, et Michel Nassi insiste sur ce point, euh, éclairent des aspects méconnus justement de sa personnalité. Et, et je pourrais vous les résumer si vous voulez, sa personnalité d'Anne de Bretagne. D'abord, sa détermination de prendre son destin en main. Euh, comme l'explique l'ambassadeur de Venise en 1494, ce qu'elle s'est fait une fois mis dans l'esprit, elle le veut obtenir de toute manière qu'il faille rire ou pleurer pour cela. Donc, vous voyez, c'est euh, cette obstination, cette, cette volonté très forte qu'on a vue dès son refus euh, du mariage avec le sire d'Albret. Alors, ce qui apparaît aussi dans ses lettres, nous dit Michel Nassier, c'est un deuxième trait de son caractère, bah, c'est l'amour pour ses deux époux. Car, même si le mariage avec Charles VIII a été un mariage forcé, euh, on peut penser qu'il y a eu vraiment euh, une relation sentimentale entre eux. Euh, et d'ailleurs, la preuve, c'est presque une preuve matérielle. Euh, normalement, dans les châteaux, il y a deux ailes l'aile du roi et l'aile de la reine. Or, ils couchent ensemble dans le même lit, et donc on ne peut pas trouver mieux révélateur, si vous voulez, d'une d'une proximité, euh, évidemment, entre les deux. Euh, Louis et alors encore. Plus avec Louis XII, hein, on pourra y revenir. Son deuxième époux, là vraiment, ils se sont aimés. Et d'ailleurs, Louis et Anne sont amoureux l'un de l'autre, écrit un informateur italien. Et même Machiavel. Machiavel, euh, j'ai été très très sensible, d'ailleurs, en écrivant ce livre, à la proximité chronologique entre Machiavel et Anne de Bretagne. Ils sont pratiquement contemporains. Euh, voilà. Et, et d'ailleurs, Machiavel est venu quatre fois en France en tant qu'ambassadeur de, de Florence. Une fois à Rennes, euh, à Nantes, pardon, et il est possible qu'il ait rencontré Anne de Bretagne. Alors, aucune source ne permet de le dire, mais c'est une hypothèse que je, que je lance et, et qui est tout à fait possible. Et Machiavel, d'ailleurs, écrit dans, dans ses histoires florentines que Louis XII, je cite, l'aime. Donc, vous voyez, c'est quand même un mot, un mot très fort, et tout ça, évidemment, est cohérent. Alors, le troisième caractère d'Anne de Bretagne qui apparaît dans ses lettres, c'est sa piété. On ne l'a pas encore évoqué, euh, on a écouté une, une passion celtique au début de notre rencontre, euh, petit intermède musical. Mais... Je, je pense que la piété d'Anne de Bretagne, on pourra y revenir, est extrêmement forte. C'est une piété presque viscérale. Et on le verra dans son trop braise, par exemple, le Tour de Bretagne qu'elle a fait en 1505, où elle, elle va sur les reliques des principaux saints bretons. Et cette piété apparaît très très forte dans sa correspondance. Elle va dans des monastères, elle fait des retraites, elle visite euh, par exemple à Poissy euh, les dominicaines, euh, à Chambéry pour le Saint-Suaire. Euh, donc sa piété est absolument... Euh, euh, dévorante, si je puis dire. Et d'ailleurs, ces livres d'heures, on pourra parler de euh, justement de son mécénat, sont là comme un signe, justement, très fort de cette piété vive d'Anne de Bretagne, mêlée d'ailleurs de superstition. Et puis, troisième ou quatrième caractère de cette correspondance, c'est ce que on pourrait appeler une diplomatie épistolaire, c'est-à-dire qu'elle écrit des lettres à des souverains étrangers. Euh, le roi de Pologne, par exemple, le, le roi d'Aragon. Euh, et cette diplomatie épistolaire, c'est un moyen pour elle, par exemple, de, de marier des princesses et les marieuses. Anne de Bretagne a, a marié, euh, des, on parlera de la cour euh, qui, qui l'entoure, la cour des dames, vous l'avez évoqué dans la présentation. Eh bien, euh, elle, a, elle a travaillé justement à, à des mariages d'État, si je puis dire. Elle a aussi travaillé, et ça c'est tout à fait original... Euh, à la paix, c'est-à-dire que c'est une princesse de paix, si je puis dire. Le roi, c'est un roi de guerre. J'ai d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Le roi de guerre dans les années 1990. Bah, J'oserais presque dire qu'Anne de Bretagne, c'est la reine de la paix. Et la preuve, c'est qu'il y a eu une sainte ligue euh, pilotée par le pape contre le roi de France en 1512 et qui voit le roi de France pratiquement isolé. Et Anne de Bretagne a œuvré pour la paix. C'est-à-dire qu'elle a multiplié les lettres. Euh, elle, elle a correspondu notamment avec Germaine de Foix l'épouse du roi d'Aragon pour établir une trêve et la paix revient en 1514 au moment où Anne meurt où Anne de Bretagne meurt et on est certain qu'elle a joué un rôle décisif dans les négociations donc vous voyez sa correspondance même si elle est partielle même s'il ne reste que des épaves et je crois tout à fait intéressante parce qu'elle permet de dresser vous voyez, un portrait euh, en action Hein, finalement une piété très forte euh, un caractère euh, une volonté euh, presque d'agir euh, dans la diplomatie euh, et cette piété très vive très sincère aussi et puis son attention portée euh, à la cour qui l'entoure euh, à travers le mariage de, euh, de, de ces jeunes filles qui appartiennent à l'aristocratie et qu'elle veut euh, disons euh, intégrer à des plus parti. Et dernier point aussi de l'intérêt de ces lettres d'Anne de Bretagne, euh, elles nous renseignent sur les déplacements. On n'a pas évoqué, euh, nous sommes à une époque je dirais où l'État est nomade. Ce n'est pas Versailles, si vous voulez. Le roi et donc la reine sont en déplacement pratiquement continu sur les routes du royaume, sur les routes de Bretagne et aussi par les voies fluviales. Car on oublie très souvent euh, les autoroutes de l'époque, finalement, c'est les fleuves. Et, et la, la Seine, la Loire, le Rhône, la Saône euh, sont vraiment très fréquentés par euh, Anne de Bretagne et les lettres, justement, permettent de reconstituer euh, ces itinéraires. Euh, voilà, donc vous voyez, euh, tout le bien qu'on peut retirer. Euh, alors, je, je regrette un peu, enfin, je regrette, disons, ce, cette correspondance est, est parue après euh, que j'ai écrit le livre, mais ne, ne conteste pas le livre. C'est-à-dire à la limite, la correspondance permet d'approfondir des points que j'avais évidemment déjà vus, mais là, cette fois, euh, on, on en est sûr, si vous voulez, par les dates et par euh, ces lettres euh, qui permettent donc de l'approcher d'un peu plus près, si je puis dire. Alors votre livre, Joël Connaître, je rappelle le titre aux auditeurs de Radio Courtoisie, Anne de Bretagne, aux éditions Gallimard. Premier mariage royal d'Anne de Bretagne, donc avec Charles VIII, ils n'auront pas d'enfant, en tout cas pas d'enfant qui survit euh, Oui, absolument. Alors, ça, ça aussi, on ne l'a pas évoqué. Euh, disons, la, la fonction première d'une reine, c'est la procréation. Euh, et notamment la procréation d'un mâle, d'un garçon, d'un fils. Loi salique oblige, hein. d'abord nous sommes au Royaume de France. Alors il y a eu une naissance extraordinaire, la naissance de Charles Orlan. D'ailleurs c'est tout à fait étonnant, je consacre presque un chapitre à ce petit garçon. Euh, vous voyez le nom Charles Orlan, euh, c'est un nom euh, très rare. Alors Charles c'est logique, c'est le fils de Charles, donc euh, le fils succède à son père, Charles VIII. Orlan, Orlan c'est Roland, et Roland c'est Roland de Roncevaux. Et Roland de c'est comment dire, la lutte contre les sarrasins Et nous sommes justement dans cette ambiance de la fin du Moyen Âge, euh, de désir de reconquête et de reconquête, notamment de Jérusalem. Et d'ailleurs, ça va être une des raisons des guerres d'Italie en 1494, hein, puisque euh, je, je l'ai évoqué une fois, mais on peut y revenir. À partir de 1494, Charles VIII a, a les yeux tournés vers vers l'Italie, loin de la Bretagne. Et l'Italie, pour lui, c'est une tête de pont pour la délivrance du tombeau du Christ, Jérusalem. Parce qu'il y a une la pression turque hein, qui est parallèle qui couvre d'ailleurs une partie de l'Europe. C'est pour ça d'ailleurs que l'empereur est beaucoup plus intéressé par ce qui se passe à l'est de, de son royaume, si je peux dire, que par les affaires bretonnes. Parce qu'il y a la pression turque, évidemment, il faut voir les choses à l'échelle de l'Europe. Et donc vous voyez, appeler son fils Charles Orlan, c'est lui donner en quelque sorte pour mission sacrée de poursuivre l'œuvre de son père et d'être en quelque sorte un nouveau Roland c'est-à-dire un, un nouveau défenseur de la chrétienté contre l'islam. Et donc, vous voyez tout ce qu'on a misé sur ce fils, tout mis sur ce fils. Malheureusement, il meurt à moins de trois ans. Et malgré tous les efforts faits pour l'entourer de toutes les précautions multiples que j'explique d'ailleurs dans le livre, euh, la mort de ce fils est évidemment une catastrophe pour le, pour son père, pour sa mère Anne de Bretagne. Euh, et, et, et je dirais que là, c'est, c'est, je dirais. On a tout à l'heure entendu le début d'une passion bretonne. Je pense que Anne de Bretagne a vécu sa vie de mère comme vraiment une passion amère, puisqu'elle a eu pratiquement que des morts, des, des, des morts-nés, euh, pas de fils. Et au bout de 14 grossesses, vous imaginez 14 grossesses, elle meurt à 36 ans. Il n'y a que deux filles qui sont vivantes euh, Claude, vous l'avez évoqué, qui se marie avec et le frère François mmh. Ier, et puis René. Alors René qui aurait pu justement être. Euh, euh, celle, la nouvelle duchesse de Bretagne, bah, René, on, on l'a mariée avec un prince italien pour l'éloigner évidemment de toute possibilité. La de Bretagne lui avait cédé la Bretagne. Absolument, tout à fait. pas été cédée à Claude, parce parce qui va, euh, donne, qu va euh, donner vous, la Bretagne à François. Vous évoquiez mmh. les traités de mariage, et dans le traité de mariage de Louis XII, il était bien dit que la Bretagne reviendrait au, au deuxième et héritier du roi de France. Ça, c'est le traité de mariage avec Louis XII. Hein. Voilà, avec Louis XII, parce qu'à chaque fois, il y a eu un, un traité mm. traité avec Charles VIII, un traité avec Louis XII, bien meilleur d'ailleurs, on pourra y revenir. Nous allons en parler, en effet. Euh, enfin... euh, voilà. Donc, mais vous voyez, je me permets de cette petite parenthèse sur les, les malheurs de la maternité d'Anne de, mm. euh, de Bretagne. Ça a été vraiment très, très douloureux, et, et pour elle, vraiment un crève-coeur, évidemment, de voir tous ses enfants mourir. Et, elle l'a pris d'ailleurs pour un signe de Dieu. Parce que, si vous voulez, elle a été, je crois, hantée, même si aucune source ne permet de le dire, mais c'est moi qui l'avance, mais je pense ne pas totalement me tromper. Il y a eu ce, ce mariage virtuel avec Maximilien, si vous voulez. Et donc, je pense qu'elle a toujours pensé que Dieu, d'une certaine façon, lui en a voulu, de se remarier, vous voyez, succès 1 Charles VIII et Louis XII. Et donc, cette impossibilité d'avoir un enfant, et notamment un fils. Elle l'a sans doute pris pour un message de Dieu. Elle s'y dévote évidemment. Et n'oubliez pas, nous sommes à une époque où l'écriture est s'écrit en langage théologique, en sorte où tout est signe de Dieu. Donc la grêle qui tombe, les blés qui sont hachés menus par un orage, et, ou la mort d'un enfant, c'est évidemment pour les contemporains un message de Dieu. Le samedi 7 avril 1498, un peu plus six ans après leur mariage, Charles VIII se blesse, on connaît tous bien sûr l'histoire, il se blesse en heurtant du front une porte basse euh, euh, du château de Blois. C'est passé à Blois, oui, c'est ça Amboise. Amboise, pardonnez-moi, <laughs> oui. <rire> voilà. En, Charles VIII, ah, c'est Amboise. À Amboise, et, et et c'est Blois. Et à la grande surprise, il décède de, oui. de cet accident. Quelles conséquences cela a pour euh, oui, alors, la Bretagne oui, Est-ce avez... que la Bretagne va retrouver oui, vous, sa souveraineté avec Anne Vous avez raison d'insister sur, sur cette euh, mort un, un peu étonnante, tragique, euh, qui est d'ailleurs liée à une grossesse d'Anne de Bretagne. Euh, une fois de plus, elle a fait une fausse couche, euh, et, et donc, euh, bon, pour, pour se remettre en quelque sorte de cette tristesse obsédante. D'ailleurs, on ne sait pas combien elle a eu d'enfants, finalement. Il y, y a un... Il y a un flou. Michel Nassier, d'ailleurs, insiste sur ce point. On ne sait pas trop. 13, 14, 15 grossesses. Voilà. En tout cas, une grossesse malheureuse. Et donc, euh, Charles VIII, pour la consoler, l'invite à, à assister à un jeu de paume. Euh, voilà. Dans une partie de cour basse du château d'Amboise. Et c'est là qu'il se il dire, heurte euh, la tête contre un linteau. La portée très basse. Voilà. Et il meurt. Euh, voilà. Alors. C'est assez extraordinaire et j'ai consacré justement un chapitre à, à cette année-là, 1498. Puisque, euh, alors, Anne de Bretagne, on l'a décrit éplorée, évidemment, incapable de réagir après la mort euh, malheureuse de son époux, mais tout de même, et justement les, la correspondance la permet de, de restituer la chronologie de cette année à la fois tragique et extraordinaire pour Anne de Bretagne, c'est que deux jours après la mort de, euh, de son époux, eh bien, elle, elle redevient duchesse, c'est-à-dire qu'elle multiplie les, les messages, les lettres justement pour expliquer en Bretagne qu'elle reprend d'une certaine façon les rênes du pouvoir. Charles VIII meurt le 7 avril. Dès le 12 avril, cinq jours après, il y a une entrevue avec Louis XII, le roi, le nouveau roi. Et dans cette entrevue, il est, dont on n'a pas les ours, évidemment, donc ça ne peut être que des hypothèses. Mais l'hypothèse que, que je formule, et Michel Nancy d'ailleurs ne fait que la confirmer, bah, c'est que dans cette entrevue, on a discuté du futur de la Bretagne, de l'avenir de la Bretagne, et justement du, du redevenir de la Bretagne en tant que duché, si je puis dire. Voilà. Et sans doute du mariage, puisque dans le contrat de mariage avec Charles VIII, il y a une option, qui est que si le roi meurt, bah, la duchesse devra épouser le successeur le successeur du roi de France, c'est Louis XII. Donc voilà. Donc vous voyez, très tôt, hein, les, les choses sont en, déjà combinées pour la suite, si vous voulez. Et elle envoie des lettres en Bretagne aux barons, aux évêques, aux chapitres, pour rallier des fidélités. Donc d'une certaine façon, elle reconstitue le réseau de fidélité autour d'elle et elle redevient duchesse. Elle retourne en Bretagne. Et elle retourne en Bretagne. Elle voilà. réside à Nantes, Absolument. je crois ça au château de Nantes. Elle, elle est à Rennes, elle est à Nantes. À Nantes, elle tient une cour, elle donne l'ordre d'entretenir le château, elle préside les états à Rennes, elle fait établir une monnaie d'or, la cadière d'or. Euh, où elle est représentée en souveraine, avec euh, la couronne, avec le sceptre, avec euh, euh, voilà tous les instruments finalement de, de son autorité souveraine, elle redevient duchesse. Et ça c'est tout à fait extraordinaire, c'est-à-dire que euh, on assiste à une re du duché finalement. Elle redonne par exemple les pouvoirs au chancelier Philippe de Montauban, alors que euh, Charles VIII avait supprimé la chancellerie. Voilà, je, je réponds là. Oui, peut-être. Elle, peu oui. elle recrée oui Elle recrée. Elle recrée le poste. Voilà. Le, le chancelier, c'est un premier le ministre. Oui, qui, en quelque sorte. sorte. Oui, c'est celui qui scelle les sceaux, C'est lui qui qui authentifie en quelque sorte mmh. toutes les décisions souveraines d'un État. Donc le chancelier, si vous voulez, c'est c'est la perso le, le, le personnage numéro deux après. Après le duc ou la duchesse, et donc elle redonne au chancelier, c'est le plein pouvoir, c'est Philippe de Montauban, qui est un des plus fidèles euh, auprès d'Anne de Bretagne, et voilà la Bretagne redevient vraiment indépendante. Et la preuve de cette indépendance, c'est que le mariage va bien avoir lieu avec Louis XII. Mais tout à l'heure j'avais dit le mariage s'était à c'est-à-dire que la, la, la reine, la duchesse reine a été capturée d'une certaine façon par le roi de France. Cette fois le mariage a lieu à Nantes, chez elle. Mariage, vous imaginez, avec la plus grande puissance, euh, la plus grande puissance, euh, euh, donc la France, euh, le roi se marie à Nantes. Euh, et donc, évidemment, c'est un signe, un signe presque d'allégeance. Et c'est vrai que dans ce contrat... Eh bien, le contrat aménage une très grande liberté, euh, presque de pouvoir, euh, d'Anne de Bretagne euh, sur son duché. Donc vous voyez, il y a vraiment deux périodes. Une période de dévitalisation du duché pendant le règne de Charles VIII, une période de revitalisation du duché à l'époque de Louis XII. Ce traité, ce contrat de, de, de mariage, donc, redonne le titre de duchesse de Bretagne Absolument. à Anne, qui ne faisait pas le premier contrat Absolument. de Elle, elle n'était plus duchesse au temps de Charles VIII, elle redevient duchesse au temps de Louis XII. Elle et la duchesse est donc, elle et est reine de France. Et reine de France, et à ce titre-là, c'est elle qui dirige la Bretagne. Absolument, absolument. Même comme reine de France, elle dirige la Bretagne à en titre. Mais elle le dirige de façon relative, c'est-à-dire que les, les, disons les, euh, les pouvoirs régaliens, c'est le roi. La guerre, si vous voulez, c'est le roi. Les impôts, c'est le roi. Par contre, l'administration du quotidien, la nomination au poste, c'est elle. Donc oui, il y a une sorte de partage des fonctions. Euh, les fonctions régaliennes au roi de France, les fonctions d'administration concrète à la reine. Et ce contrat prévoit la suite Oui. Absolument. Prévoit la suite. Alors que, que, dit, que dit le contrat sur, sur la suite là, bah, le... La suite Lorsque Anne disparaît, voilà, que prévoit euh, le contrat elle, en le, la matière le, le contrat prévoit que le duché doit revenir au deuxième héritier des, des époux. Pourquoi le et deuxième héritier, héritier bah, Parce que le premier, c'est le ça, successeur du roi de France. Ça, ça, est... Voilà. Et donc Anne et, et deuxième... ne veut pas que, euh, bah, que, que le, la, la, son duché soit en héritage bah, au successeur du roi, c'est ça Le moyen d'indépendance, c'est de donner c justement le duché au, au deuxième héritier ou héritière. C'est pour ça qu'elle fait et, ça. Et elle n'a mmh. que deux, deux filles. Donc, euh, Claude de France se marie avec François Ier et devient reine de France. Et, et normalement, euh, la, la deuxième fille aurait dû euh, être duchesse de Claude et René, ce sont des enfants qu'elle a eus sur son deuxième mariage. Oui, absolument. Avec donc... Louis XII. Avec Louis XII, et donc le, le, Et conformément à sa mort, conformément au contrat, c'est donc René qui doit hériter de ce titre de duchesse de Absolument. Euh, de Mais Bretagne. ça ne s'est pas du tout fait comme ça, puisque en fait, c'est Claude de, de France, qui, euh, la reine Claude, qui a, dès, dès son mariage avec, euh, avec euh, France, le, sur François Ier, et surtout dès la mort d'Anne de, de Bretagne, bah, a pratiquement donné le duché euh, à, à, à son à son époux. Mais euh, juridiquement parlant, comment cela a-t-il pu se faire Puisqu'il bah, y a un contrat, il y a un oui, accord, c'est le deuxième enfant, c'est René, tout qui doit fait. hériter du sauf titre de duchesse de Bretagne. Or, Claude le donne à François. Oui. Sous la pression, je pense oui, d'ailleurs. Parce que la qu pression de François Ier et de sa mère devait être oui, terrible. Parce qu'il y a un joker dans cette histoire. Le joker, c'est que le roi de France est un roi absolu. Et que le roi peut court-circuiter toutes les, toutes les lois pour décider de faire ce qu'il veut, tout simplement. Juridiquement, c'est valide Ah bah, oui. Le, le il roi... pas ça n'a pas besoin d'être euh, validé par les États-Généraux de Bretagne, bah non. par exemple bah roi... Normalement, oui, mais le roi joue au roi absolu, il, il, il décide, et donc c'est ça devient le roi absolu qui fait l'objet de ce livre aux éditions de pour lequel vous nous vous recevrons encore avec euh, plaisir. – Absolument, donc c'est ça le problème. Même chose, pour prendre une comparaison, l'édit de Nantes, l'édit de Nantes signé par Henri IV, est dit perpétuel, irrévocable. Et que fait le petit-fils d'Henri IV, Louis XIV Il révoque l'édite Nantes. Donc vous voyez, il y a d'un côté la loi officielle et de l'autre le roi absolu qui décide, en toute souveraineté, de casser ce qui a été décidé, parce que, voilà, c'est lui la loi. René n'a pas protesté Bah ben, si Elle a même fait un procès qui a duré jusqu'en, je crois, 1570 enfin. <laughs> C'est une longue histoire que, que j'évoque à demi-mot. Oui, vous en, plus, en parlez dans votre livre, Anne de Bretagne, chez le, Gallimard. Le Mais si vous voulez, euh, voilà, c'est la, la contradiction entre la loi officielle et puis la loi du roi, qui est souveraine en, en, toute, euh, en toute, si je peux dire, légalité. C'est ce qu'on appellera au XVIIe siècle la raison d'État. Vous nous expliquez en effet que bon, François Ier, euh, par le don... De, que Claude, sa femme, lui fait de la Bretagne, euh, eh bien, prend possession euh, définitivement Absolument. pour les rois de France. Tout à fait. Du duché de Bretagne. Néanmoins, il y a quand même un acte juridique euh, qui euh, va être fait, qui va euh, euh, donc euh, juridiquement qualifier l'annexion définitive de la Bretagne. C'est euh, aux États généraux de, de Bretagne. Vous en parlez. C'est plus tard. C'est pas mal d'années. États provinciaux. <laughs> Les — états, Les États provinciaux. — Oui, les États provinciaux oui. de, de Bretagne. Je vous dit d'ailleurs que cette, euh, cet acte est, est un acte forcé par la corruption oui, euh, des membres c de ces c États. — C'est en 1532. — En 1532, c'est voilà, ça. C'est le Absolument. coup de grâce. C'est ce que vous appelez le coup de grâce de l'indépendant de la Bretagne. — Voilà. — 1532, parce que Claude, qui donne la Bretagne à François Ier, c'est quelle année, ça 7 ans Oh ben C'est dès le début du règne de François Ier, dès 1515. Dès 1515. Voilà. Ben pourquoi éprouver le besoin, en 1532, de faire valider en quelque sorte un état ce, de fait. ce, ce, coup, oui, un, ce coup de force ah, C'est de... recouvrir de façon juridique la réalité hum. de la, du contrôle de, par l'État français de la Bretagne. 1532... Euh... Le, le procès était en cours, le procès de René. Ah oui, mais, oui, mais c'est un procès, si vous voulez, qui, qui est presque, je dirais, d'ordre privé, qui, qui, qui va se perdre dans les limbes. Voilà. Joël corps. nous allons faire une pause musicale. Et oui. Bien entendu, nous allons poursuivre avec vous euh, cette, cette euh, merveilleuse histoire, cette euh, histoire passionnante qui est celle d'Anne de Bretagne, euh, qui a dévoué vraiment sa vie à ce combat pour maintenir l'indépendance de, de son duché. Nous reprendrons, bien sûr, cette histoire. À après la pause musicale, mais une petite dernière question. Oui. Pour vous, la fin. Si on devait choisir une date oui. pour la fin de l'indépendance du duché de Bretagne, choisiriez-vous 1532, donc les états de Bretagne euh, par la corruption qui valide en quelque sorte le coup de force de François Ier, ou choisiriez-vous la date du mariage? de Claude et de François Ier, Claude apportant, trahissant en quelque sorte, je ne sais pas si elle avait conscience de ce qu'elle faisait d'ailleurs, de trahir la volonté de sa mère en faisant ça, en avait-elle conscience Choisiriez-vous cette date-là, ou alors Saint-Thomas-du-Cormier, ou le mariage encore de la Duchesse Anne avec Charles VIII Toutes ces dates sont enchaînées, c'est-à-dire que c'est un processus, si vous voulez. Donc je pense que quand même la plus importante c'est 1532, cest à que le duché devient province. Et donc là, on change complètement de nature, si vous voulez. Et 1532. Bon. C'est 1532. Pour moi, c'est la, la vraie rupture. Par la corruption alors Oui, par la corruption, puisque les députés ont été achetés. Il mmh. euh, y a eu quelques résistances. Euh, ils ont émis quelques comment dire doléances, mais ça n'a pas été accepté. Et finalement, euh, voilà. Mais euh... moi je vais le connaître. Ce faisant, ce faisant, oui. corruption des, des députés qui, qui votent donc pour le rattachement. Euh, il n'y aurait pas eu. Que... Est-ce que cela s'opposait au sentiment, au sentiment profond des Bretons en 1532 sans corruption, que... c'est facile de le faire, bien sûr, de l'Uchronie. Mais sans corruption, que se sera-t-il passé C'est on... difficile de refaire l'histoire. Hein. Je mmh. suis je, je... Je... <laughs> <c 'est> contre, <laughs> voilà, parce que bon, ça, ça laisse la porte ouverte à toutes les à toutes les interprétations. Euh, déjà, on a beaucoup de mal à comprendre ce qui s'est passé, donc mmh. euh, je peux pas trop vous dire. Est-ce qu'il y a un nationalisme breton C'est aussi plaqué, si vous voulez, des, des catégories contemporaines sur une réalité tout à fait autre. Euh, je pense que les Bretons euh, auraient aimé une souveraineté indépendante. C'est-à-dire qu'ils sont quand même liés euh, à leur duc, à leur duchesse. Euh, et c'est dit d'ailleurs parmi les, les, les dissidents, ceux qui se sont un peu opposés à cette, à cette euh, comment dire, annexion forcée. L'un des thèmes, c'était voilà, on perd notre duchesse, on perd notre duché, on perd notre indépendance. Donc il y a quand même une, comment dire, une, une, un sentiment. Euh, sinon national au moins régional euh, c'est peut-être trop tôt mmh. de parler évidemment de nation bretonne mais tout de même il y, y a quand même la, la conscience d'un état et cette conscience d'un état est tout à fait forte et d'ailleurs elle va rester au, au fil des siècles puisque et, et là on arrive au mythe d'anne de bretagne si vous voulez c'est que le mythe d'anne de bretagne réenclenche l'idée que la Bretagne c'est une nation, une nation indépendante et que cette indépendance doit être préservée. Et Anne de Bretagne devient, comme dit un des gouverneurs de la Bretagne, l'idole des Bretons. C'était l'époque de pontcallec justement que vous avez évoqué et la révolte du marquis de pontcallec au début de la Régence. Euh, c'est voilà, c'est l'idée qu'il faut revenir au temps de la bonne duchesse. C'est cet acte final de l'intégration forcée par la corruption, donc nous le disions, de certains membres des États de Bretagne 1532, c'est ça qui a valu un monument. Non, il y, a, il y a un monument, une grande Oui, alors pas crois, tout à monde. fait. Ce n'est pas régulièrement. Vous, euh... vous évoquez le monument de Rennes qui se trouve, euh, qui se trouvait, hein, puisque vous l'avez évoqué, il a été explosé par un attentat en 1932. Mais ce monument qui a été construit en 1910 représente. Anne de Bretagne à genoux devant Charles VIII. Euh, donc c'était euh, l'époque du premier mariage, si vous voulez. Et pour les nationalistes bretons des années 1930, c'était vraiment un scandale, quoi, d'oser euh, représenter la Bretagne à genoux euh, devant oui. la France. Et donc ça explique pourquoi ils ont fait exploser en 1932. D'ailleurs, l'anniversaire de 1532, hein, quatre siècles après, ils ont fait exploser alors, ce monument que, vous, que tous... nous vous évoquions voilà. en effet dans l'introduction, ces fameux attentats de 1932 donc contre cette sculpture représentant l'annexion en quelque sorte de la Bretagne qui s'agenouille devant la France. Nous allons faire donc une pause musicale. Vous, Pouvez-vous nous rappeler hein, cette pause musicale Oui, si alors c'est cette passion sceptique euh, euh, des années 1990, euh, reprise par Christian Desbordes, mais qui repose sur des textes qui datent de l'époque d'Anne de Bretagne. C'est pour ça que je elle nous donne une sorte de concordance de temps, ou, ou en tout cas d'imaginaire et de musique tout à fait intéressant. sanerzis den in den din mas we de brien du we age huas dal ma we de de his beni get ander u das ma lo beri do le de stol age te ha an vazad e-psi beniget gwen erbed ar fed an kredo pa ger ar da zahel a zo biz vikend ar menel Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous avons le plaisir de recevoir Joël Cornette pour son magnifique Anne de Bretagne qu'il publie aux éditions Gallimard. Durant cette première partie de, de discussion, et eh bien Joël Cornette nous a, a évoqué, a raconté la jeunesse. D'Anne de Bretagne, l'éducation qu'elle a reçue dans une cour, une cour fort cultivée, euh, dirigée par son père, le duc de Bretagne, François II. Ça se passe au château de, de Nantes, la défaite de Saint-Aubin du Cormier, euh, qui amène la vassalisation et la domination de la Bretagne par le royaume de France, ce mariage forcé, en quelque sorte, d'Anne avec Charles VIII, mais mariage heureux, puisque mmh. Anne aimera ses deux maris successifs, deux rois de France, donc Charles VIII, euh, qui va euh, mourir de manière euh, idiote, accidentelle, euh, au château d'Amboise, euh, et puis euh, le deuxième mariage avec euh, Louis XII, Louis XII euh, qui avait fait plusieurs années de prison, parce qu'il s'était battu oui, aux côtés des Bretons, Tout à Saint-Aubin du Cormier, c'est quand même... L'histoire voilà. est extraordinaire, et eh bien elle se retrouve là comme roi de France, ça fera l'objet d'un deuxième Contrat d'un deuxième accord, beaucoup plus favorable pour la Bretagne, parce que le deuxième contrat de mariage avec Louis XII reconnaît Anne de Bretagne comme duchesse de Bretagne, lui rend en quelque sorte son duché, et dans ce contrat, il est bien stipulé que le duché et le titre reviendra au deuxième enfant d'Anne de Bretagne. Le premier, c'est Claude, la fille Claude, sa fille aînée. Il y aura Renée, une deuxième fille. Et malheureusement pour la Bretagne, eh bien, il y aura un véritable coup de force après la mort d'Anne de Bretagne, qui est épuisée par toutes les, les, les fausses couches oui. euh, qu'elle a dû endurer. Elle meurt jeune, elle meurt à 37 ans, je crois. Moins de 37 ans. 36 ans. Et, et, et malheureusement pour son œuvre en quelque sorte, mais pas pour sa mémoire, parce que nous allons bien sûr parler de la mémoire d'Anne de Bretagne. Et malheureusement pour elle, pour la Bretagne, eh bien François Ier fait un véritable coup de force. Et puis Claude, Claude ne respectant pas en cela la mémoire et l'héritage de, de sa mère, eh bien, donne la bretagne à françois ier alors qu'elle revenait à rené, rené fera un Procès qui durera des années, tout ça se perdra en quelque sorte dans les, dans les sables euh, du juridique. Et le, le coup de poignard euh, euh, final, en quelque sorte, eh bien, ça sera en 1532, lorsque les États généraux de Bretagne, avec l'aide de l'argent, l'aide de la corruption, eh bien, validera juridiquement, définitivement, le don de la Bretagne de Claude à François Ier, ce qui vaudra d'ailleurs en 1932, 400 ans après, au monument qui célèbre donc cette annexion de la Bretagne par la France d'être plastiqué par les plastiqué, enfin je si c'est du plastiquisme oui, oui. en tout cas d'être explosé selon les termes que vous voilà, utilisez par les nationalistes. dans votre livre Joël Cornet sera oui. explosé par les indépendantistes bretons. De le petit quart d'heure qui nous reste euh, à passer en votre compagnie Joël connaître je vous propose que euh, euh, durant ce temps vous nous racontiez, vous nous expliquiez la vie d'Anne de Bretagne à la cour, elle a animé une véritable cour de, de dames, où oui, il oui, avait absolument. aussi une vie culturelle très, très forte, elle est toujours très réputée pour sa culture, pour son goût euh, des livres, que nous vous parlions aussi de sa mort, parce que l'enterrement... Les cérémonies que lui offrira, en quelque sorte, Louis XII mmh. seront bien le témoignage aussi de l'amour qu'il éprouvait pour elle. Ce sont des cérémonies extraordinaires euh, que l'on n'aura pas vues encore jusqu'à ce... Ce temps jusqu'à oui. cette mort d'Anne de Bretagne et puis quelques mots sur le mythe, le mythe d'Anne de Bretagne qui va se développer à partir de sa mort. oui C'est oui, un bien. gros programme, je le corps, Ça fait beaucoup de choses en dix minutes. La cour des dames, oui, C'est de vrai qu'Anne euh, a été inventive finalement. Elle a inventé la cour des dames. Euh, je, je pourrais vous citer Brantôme qui, qui l'a connue par la médiation de sa, sa mère, puisque la mère de Brantôme faisait partie de la cour des dames. Donc oui, c'est une source très intéressante. Et Brantôme écrit sa cour était une fort belle école. Pour les dames, car elle les faisait bien nourrir et sagement, et tout à son modèle, se faisait façonner très sage et vertueuse. Donc, vous voyez une sorte de, de cours euh, féminine, euh, d'éducation, de comment dire, de, de, de voilà d'éducation nous sommes au début de la Renaissance et donc d'une certaine manière euh, c'est aussi le, le début des premiers traités de civilité donc c'est tout ça que Anne de Bretagne essaie de faire autour d'elle c'est-à-dire une école de vertu une un modèle finalement euh, pour les dames qu'elle marie hein, j'évoquais euh, les mariages et, et, et donc ces dames euh, multiplient euh, à la fois les travaux d'aiguille mais aussi écoutent de la musique euh, euh, jouent la comédie euh, et tout ça se passe d'abord au château d'Amboise et surtout au château de Blois, car un autre aspect d'Anne de Bretagne, c'est son goût particulier pour les jardins. Les jardins de Blois et d'Amboise qui ont été complètement restructurés grâce à elle et grâce aussi à des jardiniers italiens, car ne pas l'oublier, c'est le début des guerres d'Italie et c'est le début de la Renaissance puisque le roi, notamment Charles VIII, de son séjour à Naples, euh, enfin séjour, sa conquête du royaume de Naples, euh, a ramené. Des, voilà, des artisans, des artistes qui ont d'une certaine façon remodelé. Euh, ça a commencé par les jardins, mais aussi par les bâtiments. Et donc, on peut dire que la Renaissance commence là. Et Anne de Bretagne participe pleinement à, à cette Renaissance, à ce renouveau extraordinaire qui marque justement le début du XVIe siècle. Alors, un autre aspect que vous avez évoqué, c'est son goût particulier pour euh, les livres. Euh, nous sommes là aussi à une époque de transition entre je dirais l'écriture et l'imprimé c'est le début de l'imprimerie et anne a d'ailleurs favorisé les premiers imprimeurs notamment à nantes mais elle a aussi adoré les livres enluminés. Et on a de magnifiques, euh, magnifiques euh, spécimens, si vous voulez, d'enluminures. Dans, dans Je pense à son livre d'heures, euh, c'est-à-dire son livre de prières, qui a été exécuté sans doute entre euh, 1500 et 1508. C'est un magnifique ouvrage de 242 feuillets, décoré comme une tapisserie, et qui comporte de magnifiques, euh, comment dire, Magnifique image de saints et de saintes, les saintes qui entourent Anne de Bretagne, et aussi beaucoup, comment dire, d'images de végétalisation, euh, de, de fleurs. Euh, et c'est presque un traité de botanique, c'est absolument magnifique. Et d'ailleurs, Jussieu, au XVIIIe siècle, euh, considérait ce livre d'heures d'Anne de Bretagne comme une sorte de véritable encyclopédie de la nature euh, telle qu'elle était au début du XVIe siècle. À la limite, j'oserais presque dire qu'Anne de Bretagne a été notre première écologiste. Vous voyez, elle a un goût particulier pour les jardins, son amour de la nature, euh, simple et vrai. Émile Mal, d'ailleurs, euh, qui l'a étudié, euh, écrit que c'est notre vieille flore française avant l'invasion des plantes somptueuses des tropiques et de l'extrême orient c'est qu'on a là en quelque sorte la vision de la nature euh, au début du XVIe siècle, et donc c'est tout à fait émouvant, tout à fait intéressant. Alors, elle a subventionné, si je peux dire Anne, euh, d'autres livres enluminés. Je pense notamment euh, à une, les vies des femmes célèbres. C'est-à-dire qu'elle a demandé à son confesseur Antoine Dufour, eh bien, de créer un livre avec des modèles féminins. Et justement, c'est pour sa cour des dames. J'évoquais la centaine à peu près de dames qui l'entourent. Eh bien, elle veut leur présenter des portraits. Des portraits en action, en quelque sorte, des bonnes dames et des mauvaises dames, c'est-à-dire des choses à imiter, et, et des, des dames qu'il ne faut surtout pas imiter. Donc on a là toute une série de vies, euh, et ça commence étonnamment par, par Ève la première des femmes. Il y a aussi Marie, euh, il, y a, il y a des héroïnes de l'Ancien Testament. Je pense à Sarah, la femme d'Abraham, Marianne, l'épouse de Hérode, Esther présentée comme un modèle de courage. Vous voyez, Esther avant l'Esther de Racine, euh, qui sera une des pièces de, euh, de, que Madame de Maintenon favorisera dans, dans son institution pour les femmes aussi. Euh, et puis, des, des, disons, des images d'infanticide aussi. Je pense à Athalie. Euh, très cruelle reine des Hébreux qui tue ses enfants. Et vous voyez, elle, elle a tenu à cette vie est et terrible. Et, et je pense aux enfants morts qui, qui ont entouré Anne de Bretagne. Mais c'est une image terrible quand on voit justement cette vie d'Esther qui tue ses enfants. Donc là, sans faire de psychanalyse rapide, euh, vous voyez, il y, y a là une ambiguïté tout à fait forte, évidemment. Euh, et il y a même l'image de Jeanne d'Arc. Et c'est une, une des premières images de Jeanne d'Arc. Voyez, Jeanne d'Arc, c'est Quelques décennies avant Anne de Bretagne, eh bien Jeanne d'Arc est présentée comme un modèle. Donc, vous voyez, on a là vraiment un livre tout à fait intéressant. Et autre point important et sur lequel je dois insister, c'est l'importance de l'histoire. C'est-à-dire que Anne de Bretagne a compris que l'histoire peut être un instrument politique. Et donc, elle a favorisé l'écriture de l'histoire de la Bretagne. Elle a demandé à Pierre Lebeau, qui est son, un de ses aumôniers, euh, d'écrire une histoire de la Bretagne. Euh, donc on a le livre des chroniques des rois ducs et princes de bretagne armoricaine euh, écrit donc par, euh, euh, par pierre le beau et c'est un moyen de montrer justement l'antériorité de l'histoire de la bretagne par rapport à la nation france en expliquant que le premier roi breton conan Meriadec, est bien antérieur au premier roi des français euh, qui, qui est un roi imaginaire, un mérové, mais peu importe, et dont l'antériorité historique fait l'antériorité politique. Donc vous voyez, Anne a bien compris que l'histoire était un instrument de pouvoir, et elle a subventionné une deuxième histoire par Alain Bouchard, une grande chronique de Bretagne. Euh, qui duplique en quelque sorte les grandes chroniques de France et qui montre aussi que l'histoire de la Bretagne est supérieure, antérieure à l'histoire de France. Donc vous voyez, c'est tout à fait fondamental là, pour Anne de Bretagne, sur son intérêt intellectuel en quelque sorte, de faire de l'histoire un instrument de souveraineté. Voilà. Et toujours, toujours guidé. Par la défense de l'indépendance de la Bretagne. Absolument, de la nation bretonne en quelque sorte. De la nation. Voilà. Et, et ça répond à votre question justement sur le sentiment euh, entre guillemets national. Là, nous sommes dans la préhistoire finalement de l'histoire de, de mmh. la nation bretonne. Je Cornet, le connais Il reste que trois minutes pour évoquer à la fois ces, ces funérailles extraordinaires telles que Louis XII les a organisées. Voilà. Oui. Et puis, un mot, un mot sur, le mythe, euh, sur le mythe de la duchesse en Savoie, parce que la Normandie n'a jamais été chaussée. C est, c est Ces funérailles peu, ils sont est... absolument. Là aussi, une nouveauté des, des funérailles absolument somptueuses, qui durent 70 jours, et qui sont marquées notamment par une longue procession qui conduit son, son cercueil et son cadavre de, de, de Blois jusqu'à Saint-Denis. Et, et je rappelle la séparation en deux de son corps. Le corps est enterré à Saint-Denis. Et le cœur à Nantes. Et ça, c'est tout à fait émouvant, si vous voulez. Le fait que son cœur. Ça, c'est Absolument. Coeur... Ça, c'est ses volontés. Hein. Le cœur à Nantes, c'est sa volonté. Voilà. Que, que le cœur soit en Bretagne, ça en dit long, justement, sur ce sentiment entre guillemets national, je mets des guillemets évidemment national, hein, mais tout de même, et, et vous évoquez justement le, le destin d'Anne de Bretagne, la deuxième vie d'Anne de Bretagne, chaque personnage historique a deux vies, sa vie réelle que j'ai essayé de raconter dans ce livre, et puis la deuxième vie, la vie imaginaire d'Anne de Bretagne, puisque Anne de Bretagne devient un mythe, c'est la, la, la Bretonne au sabot, la duchesse au sabot, qui, qui n'a jamais existé, je pense qu'elle n'avait pas de sabot, euh, évidemment, mais c'est M. Bottrell qui a imaginé ça. Oui, oui. en gros, oui, oui, il a chanté aussi. Mais c'est l'époque d'ailleurs justement où se développe cette chanson de Anne avec ses sabots, on est en étant dans les années 1880. Mais cette Anne de Bretagne a continué justement à vivre et à devenir cette idole de la Bretagne dont parlait un gouverneur au temps de Pontcallec, et, et ça continue jusqu'à aujourd'hui puisque vous, vous l'avez rappelé en guise d'introduction. Et on pourrait terminer là-dessus euh, le vol de son cœur. En, en, en 2017, au musée de Nantes, le musée d'Aubray, eh bien, le cœur d'Anne de Bretagne a été volé, mais les voleurs ne savaient pas ce qu'ils volaient. Et ça a provoqué en Bretagne un torrent, évidemment, de, de lamentations, d'implorations, et les voleurs ont été tellement subjugués par leur vol qu'ils ont préféré le laisser, et on a retrouvé le cœur sur une, sur, sur une plage, et le cœur d'Anne de Bretagne, de nouveau, a retrouvé sa place au musée d'Orbré et donc dans l'imaginaire euh, des Bretons et des Bretonnes. J'aimerais vous poser une dernière question sur montfort la -Maurie. montfort la appartenait au, oui. un, à une possession des Montforts, c'est une possession de la Bretagne, en quelque sorte. Est-ce que Anne de Bretagne est allée à montfort la Oui, absolument. Et, elle y donc est passée. Est les auditeurs de Radio Courtoisie qui veulent retrouver Anne de Bretagne, oui. peuvent aller à Montfort-la-Maurie, directement direct en train Tout à de fait. Paris. Qu'a-t-elle fait à montfort la Quel souvenir a-t-elle laissé là-bas ah écoutez, là vous me posez presque une colle, mais disons que c'est un élément, c'est un, une des étapes, euh, justement, vers, euh, vers la Bretagne, notamment en, 1500, en 1498, quand elle redevient duchesse. Elle s'est arrêtée. Voilà, voilà elle s'est arrêtée là, vraiment. absolument, tout à fait. Merci beaucoup, Joël Cornette, pour Merci à vous magnifique, euh, euh, vos magnifiques propos passionnants sur Anne de Bretagne. Je rappelle que les auditeurs de Radio Courtoisie peuvent vous retrouver dans ce livre, Anne de Bretagne, que vous publiez aux éditions Gallimard. Merci beaucoup à vous. Très bonne soirée et à très bientôt. Nous l'espérons tous. Bonne soirée, Monsieur Cornette. Merci.